qu'est-ce qu'il fait là à cette heure-ci? Il est tombé du lit, quoi. Non. Ils se lèvent. Eux, là-bas, se lèvent très tôt. Ouais, petit changement. Ça fait longtemps que je cherchais une solution pour avoir l'heure. Pour avoir l'heure devant la. Avec la station. J'avais la solution devant les yeux. Et 73-51 à tous. Et c'est parti pour le QSO journalier. Les 73 dieux. Dieu du Québec. Ah zut. Je m'attendais à ce qu'il parte d'une grande rigolade. C'était le but. C'est raté. Attention, 9 bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 km, 33-01 Rémi. Il me semble l'entendre derrière. Bon, c'était un faux départ ou quoi? Bon, on va dire que oui. Bon, ben, de suite. Bon, ben voilà, ça revient déjà. Elle était rapide. Comme j'étais pris par surprise, pas de sous-entendu, merci. Alors, on a conversé ensemble. La mise est grise, tu connais aussi le Gilles, hein? Oui, c'est le réseau français. Oui, la firme à tous. Alors, ah ouais, SDR. Alors, Montréal limite Laval. Voilà, le premier que j'ai mis de ce côté-là. Vous avez déjà les liens sur la précédente vidéo, la vidéo d'hier. Plus, eh bien, Ottawa. Si ça fait cacophonie, vous le dites. Attention, 9 bravo Charlie, 5-5-5. Attention Gilles, 9 bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 km, 33-01 Rémi. Ah bah zut. Je pédale, mais je rame.
quelqu'un qui est en décalé là. Ah, il m'a percé un tympan là. Salut Frangin, quel honneur pour moi d'avoir enfin le maître des ondes. J'ai pas préparé ma connerie, là du coup je me vautre. Salut à toi, bon t'as déjà un message sur la vidéo d'hier. Ah, je suis trois coups. Bon, comment vas-tu ce matin? Le café est bien passé? Moi, le gastro, le petit déjeuner, il est bien pris. Le gastro de ce midi, il est bien pris. Et là, maintenant, il est déjà 14h15 ici sur la France. Côté. Très QRP sur le WebSDR, sur les WebSDR. Thank you.
Gisolet, celui-là de Montréal. Bon, j'ai remis les deux. Ça marche bien. Allez, merci pour le retour de micro. T'as ça sacrément baissé là de mon côté. Là, c'est devenu très QRP. Hein. Tout à l'heure, tu m'arrivais comme une tonne de briques. Et ah, j'entends quelqu'un derrière. Il va me défoncer le poste. La vache, ça fait le yo-yo, tu m'es arrivé comme une tonne de briques, là, ici. Les 73 ont tourné aux stations que j'ai du mal à entendre via... Alors là, je suis sur les deux web SDR, celui de Montréal-Laval et l'autre de... Oh, zut, de Ottawa. Voilà, je vais y arriver. Pendant que ça passe bien, Gilles... attends, je relâche. Attends, j'écoute. Non, c'est bon, j'entends personne derrière. Gilles, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet sur un truc. Vu qu'il y a beaucoup, tu as beaucoup de téléspectateurs hachis qui se mettent devant ta télé, là, sur YouTube, et j'aimerais te poser quelques questions. Déjà, pour commencer, comment tu es arrivé? Bon, tout le monde te connaît, 14, zut, 9, bravo Charlie, 5, 5, 5, Gilles, ok. Tout le monde connaît ton QTH, ok. Mais personne ne sait en quelle année tu es arrivé sur la radio et sur la CB. Est-ce que tu m'as... je ne sais pas si tu m'as entendu là, je ne sais pas si c'est passé là. Ok, voilà, je te demandais, vu qu'il y a beaucoup de monde qui s'assoit devant ta télé, hachis sur YouTube, tout le monde te connaît, ceci, cela, donc je te demandais, en quelle année, parce que c'est une info que pas beaucoup de monde connaît, en quelle année tu es arrivé sur la radio, sur la CB? La vache, il me cache mon truc. Oh,
Ok, là, du coup, il y a eu un Américain, qui est, je pense que c'est un Américain, je suppose que c'est la Louisiane, qui t'a marché dessus en plein. Du coup, j'ai pas eu QSL en quelle année? Alors pour moi, je suis arrivé sur la radio dans les années 70, avec les talkie-walkie et antennes télescopiques là, de 1 mètre de long, Hachi. Et en 1982, le 4 mai 1982, vient un copain, j'ai découvert la CB. Et puis alors là, bon évidemment, je connaissais pas le mot CB à l'époque. Pour moi, c'était uniquement, tout simplement, le réseau social. Voilà, tout simplement. Hein. C'était, pour moi, voilà, c'était simplement ça, un super réseau social qui l'est toujours aujourd'hui. Donc, pour moi, voilà, c'est en 1982. Donc, peux-tu me revenir sur l'année, si tu t'en souviens? Ok. C'est bon ça. Ça me rappelle un truc puisque là, vous venez de le voir là. Alors moi j'étais sur Orléans à ce moment-là quand j'ai découvert la CB. Wow. Cette ambiance, super ambiance, chaleureux, les gens très solidaires et tout ça. Il y en a un qui avait un problème, tout le monde était là. Et j'en ai fait partie de cela. Alors ce qui serait intéressant, c'est... de voir ceux qui ont démarré la radio en même temps que qu'on a eu la télé noir et blanc. Eh oui, beaucoup n'ont pas connu là. Enfin, pour les plus jeunes. Et 73-51, Denis, de la part de Rémi, sur le sud-ouest de France, tu m'es arrivé comme une tonne de briques. Avec le seul Rémi, sud-ouest de France, oui, mousse sur les 13 sur ton côté, mousse sur les 13 sur ton côté, ici Alpha Bravo 732, opérateur Denis, Canada, Québec-Canada, Roger. Oui, Roger. Eh bien, tiens, je vais te donner, puisque je suis sur le sud-ouest de France, je vais te donner un peu de chaleur. Eh bien, j'ai 17 degrés, là, ici, là, au QRA. 17 degrés et tempête de soleil, tempête de ciel bleu. Mieux, ça vient de passer à 18 degrés là, voilà, 18 degrés là sur le sud-ouest de France, sur la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Alors les 18 degrés, c'est pas le nombre de degrés qu'il y a dans le vin, hein. C'est la température de soleil dehors. Hachi trois coups. Comment il m'arrive? Merci, tous à retourner. Retour de micro sur le... comment j'allais dire, eh bien, sur le maître des lieux, Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Ok, tu es seul. Je suis dans la ville de Sursaut, Tango, Hôtel, Uniforme, Romeo, Sierra, Oscar. Environ 40 km là, à l'est de Ottawa, là, tu es seul. Oh.
Ok, 100% QSL. Eh bien, moi, je suis à 50 km à l'est de Bordeaux. Voilà, 50 km à l'est de Bordeaux, à côté de Saint-Émilion. Ok, QSL, 4 km à l'est de Bordeaux. Oui, très, très bien entendu. Ça continue, bonsoir, et travail, c'est l'heure familiale. Et puis, au plus vite, je passe un contact de Rémi. Ici, Alpha Bravo, 732, opérateur de ligne. Ok Denis, 100% QSL de mon côté, je renvoie le micro sur Gilles pour qu'il puisse te saluer au passage. Affirmatif. Affirmatif. En avant, Denis, pour Gilles. Oui, en avant, Denis, c'est Turso. Turso. QSL. C'est 100% QSL, vous pouvez presque vous serrer la main par la fenêtre et vous n'arrivez pas à vous copier. Alors Denis, tu as les 73-51 de Gilles, 9 Bravo Charlie 555, qui est du côté du parc de Oka, sur les Laurentines, Laurentite, je ne sais plus. Bon, du côté du parc de Oka, il est de ce côté-là. Ok, son QRZ c'est Rambo. Voilà, donc tu connais Gilles, tu le connais bien. Oui, son QRZ, c'est bien ça pour le QTH. C'est Denis Rambo, tu le connais. Je me souviens que oui, on a déjà eu plusieurs fois en QSO ici. C'est bon ça. Laurentide. Et puis c'est con parce que sur toutes ces vidéos, c'est marqué Laurentide. Oui, monsieur. Je l'ai entendu. Je n'entends plus.
Wow! Il est où? Il est où? Il est où? Je vois que Denis est pas là, mais il y a Vincent. Oups. Qui vous écoutait depuis tout à l'heure. Oh, il est où? Il est où? Il est où? C'est un champion, Vincent. Je t'entends bien ce matin. Un méchant signal avec ta voix, ça va être plus fort que ça. Tu rendu expert et excellent, le transport pour plus que bonne. Salut les OM, ça fait avec vous. C'est la Victor Hôtel 001 Vincent à Piémont. Alors je viens de me lever, j'écoute sur la fréquence depuis le coup de temps. Alors je vous laisse ensemble. Je vais aller prendre un café. Je reviens sur la fréquence bientôt. Allez, 73 à vous tous, et bon, bientôt aujourd'hui. Les 73-51 Vincent de Rémy sur à côté de Saint-Émilion, sud-ouest de France. Rémy, c'est important, Rémy 73, les banquistes, alors. Putain, oui, 100% aussi. Il passe un peu dedans. Alors j'ai réduit un peu le volume. Ouais, Gilles y passe aujourd'hui dedans. J'ai réduit un peu le volume du Web SDR d'Ottawa. Non, c'est l'inverse. Le Web SDR d'Ottawa, j'ai mis le volume au centre. Le Web SDR de Montréal-Laval, voilà, je l'ai monté un peu plus, histoire de favoriser plus l'un par rapport à l'autre, et peut-être avoir essayer de limiter les effets d'écho dedans, entre les deux Web SDR. Alors, je vais essayer un truc avec la caméra qui marque l'heure. Alors voilà. Là, c'est le Web SDR de Montréal-Laval. Non, c'est l'inverse. Là, en plus, c'est marqué. Non, c'est bien ça. Là, n'importe quoi. Là, c'est le Web SDR de Montréal-Laval. Et là, Ottawa. Tac, voilà, là on est là. Ah, c'est en train de changer de couleur. Il y a un peu de temps, 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 il y a
Tempête de sel gris. Degrés, c'est sûr que j'aurais plus envie de prendre la moto qu'autre chose, mais bon. degrés ici sur la Gironde, Gilles. 18. C'est l'été ici, c'est l'été. Tiens, aujourd'hui, je t'entends là dans le web SDR de Laval, Montréal-Laval. Hein. Là, tu passes dedans. Oh, oui, ça fonctionne. Oui, monsieur. Je me vois un petit défaut. Alors. J'ai vu que j'entendais Gilles un peu grave sur le web SDR. C'est bon. Gilles, t'es dans la boîte. Alors, sur le web SDR de Montréal, là, de toute façon, je ne l'ai jamais entendu dessus. Donc, je suis bien sur 27625.00. Sur le web SDR d'Ottawa, pardon. Et sur le web SDR de Montréal-Laval, il se trouve à la frontière entre les deux. Hein. Non, mais il faut peut-être sortir aujourd'hui. Le peut-être qu'il en va y voir le bout du nez, mais c'est quand même moins que des gens. 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 Je pense que les mains, je peux être aujourd'hui encore fatigué. Je vais pas dire que j'en suis en fait pour que ma fille dans mon carnet, si tu es fatigué, s'il vous plaît. Ouais, je suis à l'égal avec le poste. Donc là, sur le web SDR de Montréal-Laval, je suis sur le 27624.950. Bon, point 95, quoi. Et pourtant, là, ici, aujourd'hui, il est bien comme il faut. Gilles, touche à rien. Oh, c'est vrai, Gilles, il m'a posé une question. Dès que je peux, il faut que je place sa réponse. C'est dans sa vidéo d'hier qu'il m'a posé la question.
Ça fait écho. J'entends pas le... Il y a un autre web SDR qui est sur Montréal, dans Montréal même. Mais il y a trop de limites dessus et il est pas mal en QRM. Ouais, alors là je l'ai lancé, je vois même pas de traces de gil dessus. Par contre, des traînées de partout de QRM. Quand c'est mal placé, c'est mal placé. Bon, si j'arrive, vu que je sais que tu écouteras la vidéo, si j'arrive pas à placer ma réponse, Gilles, essaie de pousser d'un cran ton DSP. Ah si, ça parle. Ah, il me faudrait un deuxième filtre DSP. Rien que pour les web SDR. Bon, je crois que si j'en achète un autre, la mère supérieure va pas être contente. Tant pis, ça restera comme ça. Alors, j'ai coupé le DSP. On voit la différence.
félicitations, Daniel. Bon DX à toi. Et puis bonne année 2023. Et puis garde la santé, mon ami. Et puis seul, Daniel. C'est pratique, je me suis absenté, personne ne s'en est rendu compte. J'entends pas. Compliqué pour les autres stations. Quand j'écoute ces vidéos, j'hallucine. Il entend des trucs là où j'entends rien. Pourtant, dans la blagounette, certains m'ont dit comme ça, mais t'entends des trucs alors qu'il n'y a rien. Alors lui, il est pire que moi. Et il sort des indicatifs de là-dedans. Je sais pas comment il fait. Il a une espèce d'oreille.
Et ça passe pas, ça passe pas. Ah si, un petit peu en direct. Ouais, il passe un peu en direct. Ah, il passe de tous les côtés, mais c'est petit, petit, petit. Pour oublier les mensonges, ça, c'est tout le monde qui est toujours un plaisir.
travaillez pas, hein, vous pouvez rentrer dans le séjour, là, quoi. C'est en bas, ça va, monsieur. Oui, monsieur. Que je remonte un peu plus. Ouais. Treize, 18 sur la Gironde. Je rigole avec les 18 degrés, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir que je passe à tondeuse et tout, et tout, et tout, plus tôt. Sur le poste qui est au-dessus, je suis sur le 27385. Et l'antenne qui est branchée dessus, c'est juste une Sigma. Non, juste une Sirtel. Oh, zut! Oh, bah zut! Santiago 1200. Bon, c'est pour de l'écoute, hein, c'est tout, hein. Ah oui, t'as la vache, rien que là, je vois dessus, là, j'ai un QRM de 7. Hein. Canal 28. Ça arrive de partout. Bon, je vais limiter les écoutes parce que là, j'arrive plus. Si on veut pas, on peut pas, demain c'est l'autre.
Merci Jean-Pierre, toujours le plaisir partagé, vu mon ami. J'adore croiser les antennes avec mes copains de la 14, maintenant qui est rendu des amis, hein, avec tous les amis. Alors, les bons types que vous voulez dans tous les tours journaliers, toujours le plaisir de pour moi, Jean-Pierre, de vous les bons types. Allez, bonne journée pour toi, et je te repense dans la journée, dans tous les jours, mon ami. Ok, tel Jean-Pierre. Cette trace qui me fait sur le web SDR de Montréal. Ça passe pas de mon côté.
Bon, puisque c'est parti comme ça. Ok. Le rouge, je suis pas sûr que... D'après ce que je vois sur l'écran de la caméra, le rouge, il est pas top. Alors, ok. J'ai quand même une oreille sur ce qui se passe. Je cherche. Oh, on en revient toujours à la même chose. Ah, ça fait trop vert vif. Ça approche du bleu là. Alors si sur la caméra ça se voit bien, moi en direct, allez, on va dire que la limite pour moi ce serait plutôt là. Allez, on enregistre et on remonte. Ah oui, tout à l'heure, c'est comme ça que je me suis fait avoir. Tac, voilà. Le clarifieur. Et voilà. Il est où? Et voilà, personne ne s'est rendu compte de rien. Wow.
Hey, t'es parti où? Excité derrière. Annonce, j'étais. T'es agile. Cacophonie qu'il a, lui. J'espère que là où il est, dans les Laurentides, que ça soit plus propre. Et ça, c'est pas gagné. Parce que là, quand on regarde sur Google Maps, là où on est, on s'aperçoit que c'est un terrain d'eau. Il y a de l'eau de partout. Même s'il a les pieds au sec. Mais bon, le sous-sol est gorgé d'eau. Waouh. Le sous-sol est gorgé d'eau. Avec tout ce qu'il a autour. Et ça peut récepter. Il est sorti de la neige. Oui, 73 Rémi, dans le vide, comme ça c'est côté, 73 là. Ah, j'ai mangé ce midi des lions et puis des épinards. Juste un petit coucou parce que j'ai du monde chez moi, voilà. Voilà, pour le petit conseil journalier, ça peut être le ciel bleu, 18 degrés, hein. Ça va te faire rêver, Gilles, à toi. Ouais, 18. Oui, ça va, c'est
impeccable, ça passe fort, il y a du tout lit. Il y a de la boîte, voilà, je dis là. Les champions, Théo, chez toi, t'es positif? Oui, monsieur, oui, on est là, tout à plus de matin, c'était à moins 2, alors on est à plus de 2 degrés. On voit que le soleil a fait de percer, le soleil a fait de percer à Darabou, par moi que je suis écrit ici. Mais j'annonce, parce que de mon côté, je parle, mais j'ai du bruit, c'est difficile. Peut-être pas demain, mais à sa question. Voilà, pour le petit coucou, journalier. Je t'appelle, porte-toi bien, ainsi qu'à toi, Rémi, et à bientôt. Bye bye. Ok, 73-51, amuse-toi bien. Hop là, désolé, je t'ai marché dessus. J'espère que t'as pas eu trop mal, Gilles. Les 73-51, Christian, amuse-toi bien. Merci, Gilles. Gilles, est-ce que tu m'entends? Ok, dans ta vidéo, tu m'as posé une question, celle d'hier. Tu m'as demandé si c'était bon au niveau du réglage de ton filtre DSP. Alors, j'ai envie de te dire, teste un cran, juste un cran au-dessus. Là, pour voir un petit peu là ce que ça donne, voir si des fois ça serait pas mieux. Juste un seul cran au-dessus pour voir si ça serait pas mieux. Oui, affirmatif. Les autres, tu les touches plus, sauf si t'as envie. Oui, le blanc, le il a combien de positions? Il a 7 positions. Oui, le petit blanc, juste un seul cran au-dessus, seulement un seul cran, pour voir si des fois, ça serait pas mieux pour toi. Ok, ouais, je pense que t'as trop pris l'habitude d'avoir du bruit dans les oreilles, et du coup, filtrer, ça te pose un problème. Chie trois coups. Chie, comme ça, je pourrais voir ça dans la vidéo, là, ce que ça donne, et surtout toi, de toute façon, hein, toi, en mettant avec un cran de plus, comme ça, tout qu'on le fait, peut-être qu'au bout du compte, tu trouveras ça mieux. Ah ben alors là, il est parti, là. Putain, là, je t'ai complètement perdu, Gilles. Là, je t'ai complètement perdu. Ah, ça y est, ça remonte. Non, mais c'est vrai, hein. De toute façon, il y a la vidéo qui sera là, que tu pourras voir. Là, c'était complètement parti, là. Bon, je vais profiter que ça chute comme ça pour faire une petite pause vidéo, recharger la batterie. Il y a encore du jus, hein. Mais je vois que ça baisse. Arrête.
station one for Alpha Tango, Robin Light 2, you know, sure the number, you know, it is very, very low, take off your microphone for you. Les parasites sont de retour. Eh oui, les parasites sont de retour. Ah, et puis là, on voit la sauce, il m'arrive à Sainte-Guenef, là, le parasite. Ah, ça doit être le Brésil, je pense, là, qui m'arrive comme ça, là. Le... Oh oui, je suppose que c'est le Brésil, je sais pas. 177, 1 Putain, mais ils sont bien tous pareils dans ce groupe, hein. Ils arrivent sur un QSO comme ça, et puis allez dégager, quoi. C'est nous qui prenons la place maintenant. Hein. Non, mais ils ont vu la Vierge, hein, ces gens-là, quoi. Oui, là, tu es en train d'essayer de me faire le coup de rester le plus poli possible. Et appelons des cons. Hein. Ah, je suis trois coups. À propos de cons, je sais pas, j'ai vu personne répondre à la question qu'il y a dans dans l'autre vidéo. Hein. Sur quand il est demandé qu'est-ce que c'est qu'un con. Un endroit bien placé, justement. Ah, je suis étonné, personne n'a répondu. Eh bien, tu me diras ça sur Messenger, parce que alors là, l'autre, il a fait exprès de te passer en plein dessus et tout ça. Et du coup, j'ai pas du tout eu Roger. Oh, QSY, please. Il y a déjà un QSO ici. Depuis des années, il y a un QSO ici. Bon Gilles, toi qui parles la langue, toi qui parles leur langue, là tu peux leur traduire, hein, là qui, parce que là j'ai l'impression qu'ils veulent pas comprendre. Ah la vache, il s'est décalé en fréquence exprès là, l'autre con là, pour histoire de faire chier le monde. Voilà, c'est voilà l'intelligence de ce groupe, de ce club. On va l'aider à se noyer alors, on va lui enfoncer la tête un peu plus sous l'eau. Thank you.
Tiens, petite question. Est-ce qu'ils sont payés très cher pour être aussi cons comme ça, là, dans ce groupe? Parce que si ça gagne bien d'être aussi con, moi ça peut m'intéresser pour arrondir les fins de mois. Quoi. Ah, chi! Ouais, ben de toute façon, on n'a pas vraiment le choix là. C'est comment te dire. Mais quand même, hein, plus le carnaval du carnet fait assez aujourd'hui. Wow, t'as combien de pages? Ouais, c'est ça, j'ai plus que plein. T'as au moins deux pages, non? Ton carnet de trafic, tu dois avoir au moins deux pages pour aujourd'hui. Wow, donc t'approches les 10 pages au moins pour aujourd'hui. Ah, chie trois coups. Eh bien, j'ai hâte de voir ça au montage. J'ai hâte de voir ça au montage, combien de pages il va y avoir en tout, là. Parce que là, ça a l'air... Non, mais je l'entends bien, hein. Parce que alors, tout à l'heure, je t'avais plus du tout, là, de mon côté. Hein. Ça passait plus du tout. D'ailleurs, tellement plus que, pour le coup, j'ai fait une pause vidéo. J'en ai profité pour recharger un peu la caméra. Car je peux pas faire fonctionner... je peux pas recharger la caméra tout en filmant. Là, c'est pas possible de mon côté, ça fonctionne pas. Quoi. C'est pas un téléphone. Quoi. Du coup, j'en ai profité pour recharger la caméra, mais j'avais une oreille quand même sur le web SDR zut, par chez toi. Oh ben zut. Ah ben ça y est, j'ai oublié. Ça me revient. Montréal, Laval. Oui, voilà. Je voulais dire le web SDR de Montréal, Laval. Voilà, j'ai quand même une oreille dessus. Et bon, je t'entendais là parler un petit peu dans le lointain derrière. Donc, je savais que tu étais toujours en fréquence. Mais de mon côté, j'avais plus rien tout à l'heure. Et petit à petit, c'est monté plein pot là sur Brésil. Enfin bon, bref, sur les autres. Et puis, paf, là, j'ai réussi à t'entendre à nouveau derrière. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Alors, tu es toujours un petit garçon ou pas? Et t'es fait pipi, quoi. Le petit garçon qui fait pipi sur les statues. Bon allez, j'ai du boulot là de mon côté, parce que là, au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé pas mal de retard de partout. Et pourtant, il est que... Ah bah oui, en plus j'ai mon réveil devant les yeux. Tu verras, j'ai fait un petit changement là de mon côté là. Alors il est 15h45, 15h50, ouais, voilà, oui c'est ça. Hein. Et je vais passer en QRT avec un grand dommage. Ça me fait chier, je préférerais rester en fréquence. Mais j'ai entendu monde derrière. Donc je vais passer en QRT et faut que je me mette au travail.
J'ai accumulé trop de retard de mon côté, là, faut vraiment que je me mette au travail. Donc les 73-51 Gilles, et qui sait, peut-être à tout à l'heure, j'espère pas, je me mettrai une tape sur les mains si j'attrape le micro. sinon à plus tard, de toute façon, dans tous les cas. Et ouais, ben de toute façon, oui, je verrai ça en même temps, là, avec quand tu enverras tes vidéos, les listes, et ceci et cela, je découvrirai tout ça dedans. Et plus tout le reste, et tout. Oui, je m'en doute. Ah si, mais c'est sur l'ordinateur, hein. C'est sur l'ordinateur là que j'ai accumulé un gros retard. Hein. Dehors, par contre, dehors, c'est vrai qu'avec 18 degrés ici, je suis pas loin de passer la tondeuse et tout. Hein. C'est... Ouais. Ça n'est vraiment pas loin du tout, là. Bon, allez, je reprends le... Là, je suis en train de reparler à nouveau. Faut que je me mette au travail, là, sur l'ordinateur, parce que là, ça va plus. J'ai toute mon avance, elle est mangée. J'ai plus rien. Si ce n'est que quelques jours en programmation là sur les réseaux sociaux là au niveau de mes partages journaliers, il me reste quelques jours et sur l'ordinateur j'ai plus rien, j'ai les pages vides. Alors faut vraiment que je me remette au travail parce que là ça va plus, là ça déconne. Hachi, amuse-toi bien Gilles et à plus tard. Ah, merci, mais bon, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais seulement que montrer que la CB est toujours bien vivante, que c'est bien vivant sur le QSO du 625, c'est tout ce que je fais, moi. Le reste du travail, c'est toi qui le fais au micro, c'est toi l'animateur des ondes. C'est pas moi, c'est toi qui fais tout le travail. Ah, chie trois coups. Merci Gilles, à plus tard. Oui, c'est tu vois, on n'est pas seul, hein. On n'est pas seul parce que juste aujourd'hui, on est plus que 20. Alors, avec toutes les stations qui passent à fréquence, on est avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est bon, on est venu, c'est pas juste moi, c'est juste toi. Ok, merci. Allez, ce coup-ci, je reprends pas. Les 73-51 à tous. 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, sur le sud-ouest de la France, à côté de Saint-Émilion, le pays des ivrognes. Putain, ça y est, j'ai dit je reprenais pas le micro, c'est mort. Non, faut vraiment que j'arrête là. Ça va être le plus dur là, de relâcher le micro. Là. Oh putain, mais oui, en plus t'as raison. Toi, t'as trouvé mon point faible. Hein. C'est. Alors ouais, tiens, puisque ça passe bien, tu vois, déjà là, dans les années 70, je commençais déjà la radio. J'étais tout QRPP, que déjà je commençais la radio avec des talkie-walkie, un ou deux canaux, tu sais, avec une grande antenne télescopique de 1 mètre. Et c'est après, début 82, 1982, le 4 mai 1982 pour être plus précis, que là j'ai découvert un monde, mais du monde de partout et tout ça, c'était vraiment super génial, super QRO, et puis une espèce de solidarité aussi, et de bonne humeur, c'était vraiment super. Ben, quand j'ai commencé, toi, pour nous en France, c'était l'époque des 22 canaux FM.
Voilà, c'était à ce moment-là. Et après, en 83, on est passé aux 40 canaux multimodes. Et puis alors là, on avant-roule. Hein. Là, ça ne m'a plus jamais quitté depuis. Ah, si, ça m'a peut-être quitté 6 mois. Ouais, et encore. Ouais, allez, on va dire 6 mois parce que j'étais en appartement en plein Bordeaux. Mais pour vite y revenir, c'est... Non, je conçois pas la vie sans la CB, moi, ça c'est clair. La CB un jour, la CB toujours. Oups. C'est de ta faute. Tu m'as poussé à reprendre le micro. Allez, ce coup-ci, je cuirte. Et oui, il faut. Tac, je viens de me filer une tape sur les mains, quoi. Youhou. Bon, ça n'empêche pas que tu peux laisser tourner un peu la vidéo. En plus, il a raison. Non mais faut pas que je prenne le micro. Ça me fait penser que... Wow, il reste plus beaucoup. Allez, histoire de rigoler un coup. Au nom de Dieu. Non, mais toi, t'as vraiment trouvé mon point faible. Ok, les 73-51, retournez à lui. Et hey, tu sais que j'ai QRT là, hein? Trop proche. Non mais en plus, oui, tiens, allez, je la pose 4 heures qui arrive. Ah chi. Je vois l'XYL qui est en train d'arriver, j'ai la pause 4 heures qui arrive, plus le petit cappuccino qui va avec. Allez, ce coup-ci, j'y vais. Tac, voilà. Web SDR coupé. Alors, petit passage. J'ai QRT pourtant. Alors, il est. Je fais le feignant, je remets pas l'autre caméra. 16h40. 16h42 pour être plus précis. Ils sont plusieurs OM du Québec en QSO avec le QTH 14.
Même si c'est différent, là, on s'entend pas jamais, là, fait que...
Ce bout de vidéo, ce sera le bonus. Oui. Là, c'est du bonus. Là. Il doit être heureux, Gilles. Là, c'est le vrai groupe des Tannants du Québec.
Comme c'était avant. Non, ça baisse pas, là. Donc je fais mon bonus vidéo, Hachi, je commence déjà à travailler la vidéo d'aujourd'hui là, sur le PC. Plus petit là, lui. Thank you.
Ah d'accord. Tiens, mais c'est quoi son installation? Je suis content d'attraper ça en vidéo parce que dire ça comme ça à quelqu'un sans le montrer, c'est sûr que là on ne croit pas. Je pense que
kilomètres, je pense que tu m'as dit, là. Mais quelqu'un, c'est une fréquence à côté qui me dérange un peu. Et puis, je vais te souhaiter une bonne journée. Ça m'a fait plaisir de te parler. Et puis, je vais repasser ça peut-être de Gilles. Il y a une meilleure réception. Là, moi, j'ai un petit peu de bruit parce qu'il y a un bac par-dessus de la modulation. Mais ça m'a fait plaisir de te parler. C'est 73 à la prochaine. Brésil. Ça c'est fait, ça c'est dit. Thank you.
crois que ce coup-ci. Alors, 17h10. Ah si, ça remonte. Ce coup-ci, on va arrêter là. Ça fait quand même un sacré bout de vidéo. Ah, je laisse la caméra se couper toute seule.